Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale, on va se faire trois petites attaques, mais pas que avec ce deck. Ah oui, on va faire avec ce deck en premier, mais après on fera avec lui, et après on fera avec lui. Et voilà, donc je sais pas, j'ai envie de m'éclater. Et puis voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que moi je vais vous dire tout de suite, pour faire trois petites attaques, c'est parti. Et c'est parti les gars, on est contre Nick, un petit niveau 8, voilà, donc là on est à 1660 trophées les gars. Là, on gagne ou on crève. Ah ouais, c'est comme ça. On gagne ou on crève. Alors, direct, lui, il envoie tout. Pas de soucis à ce niveau-là. Hop. Ah là là, je te jure. Bon. Allez, putain, il n'y a pas assez d'élixir. Bon, tu sais quoi? Ça va être très simple. Tu nous fais ça? Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Envoie ça. Envoie ça, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir, vous allez voir, les gars. Alors là, on va lui mettre mais 10 fois plus cher. Oh, on va même lui casser la tour principale, allez, on est chaud. Hein, ça dépend ce qu'il a comme troupe. S'il a du sorcier, par exemple, on est dans la merde. Bah, nickel, regarde-moi ça. Allez, hop, voilà. On envoie du cochon. Allez, non, mais attends, on va pas hésiter, là, on va pas hésiter, c'est mort. C'est mort, on n'hésite pas, là. Allez, hop, c'est parti, on envoie, là. Là, on se bat pour la victoire, là. Merci, Mantei. Alors, qu'est-ce que ça donne, hein? Ah, c'est déjà plus puissant que ton truc, là. Le mec, il a utilisé du Valky cochon. C'est vraiment bien joué de sa part, n'empêche. Parce que le Valky cochon, c'est très puissant. Et c'est très dur à contrer aussi. Donc, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va envoyer, hop, une petite Valky. Oh, bah merde! Oh, bah qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah c'est con ça, ça fonctionne pas là, hein? Oh, bah non. Non, mais attends, mec, je suis à 1660, mon petit. Je dois me taper un trophée d'or de niveau 6 là. De niveau 5 si je perds, donc j'ai pas trop envie de perdre, tu vois. Hein, parce que me taper un trophée de... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, un coffre d'or de niveau 5, oh, j'ai envie de te dire, c'est pas trop mon kiff, tu vois. Et hop, c'est parti, tu l'es. Ouais, ça va, ça va. Ok, ça prend. Allez, allez. Oh, de que dalle. Oh, de que dalle. Bon, on envoie l'heure de gargouille, peut-être que... Allez, petite horde de gargouille, des flèches avec, des petites flèches. Oui, les petites flèches, regardez. Ah, il a mis le cochon. L'enfoiré, il a mis le cochon. Oh, regardez les flèches, regardez. Super combat et bonne chance pour la suite, mon gars. En tout cas, merci à toi. Grâce à toi, yes, j'ai pu avoir mon coffre à couronne. Certes, toi aussi, t'étais à 1660. D'ailleurs, t'es à pile pareil, quoi. C'est fort ça. Mais il fallait mon coffre d'or d'Arène 6. Il le fallait. C'est le coffre d'or le plus exceptionnel entre les coffres d'argent et le coffre d'or. Donc, du coup, ça aurait été un coffre d'argent à la limite, je m'en foutrais. Mais là, c'est un coffre d'or et c'est crucial pour moi, c'est sacré. Ok? Alors tu touches pas à ça, ok? Bon allez, moi je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque avec un autre deck. Et c'est parti. Et c'est parti les gars, on est contre je sais pas qui est niveau 8, ça fait plaisir. Hop là, on lui dit bonne chance. Allez hop, salut. Hop là. Oh, enfin. Oh, en 4 attaques, enfin, pour une fois, j'ai du géant en tank d'LWU. On a peut-être une chance d'y arriver, mon petit. Non, mais on a peut-être une chance d'y arriver. On sait jamais. Peut-être que... Ouh, on sait jamais. Regarde, sa petite sorcière, là, elle va pas faire 2 secondes. Regarde qu'elle va pas faire 2 secondes. À part si elle se retourne. Ok, nickel. Il y a un moment, il y a une sorcière, mon gars. Oh, mais elle s'est retournée. Alors qu'elle était en train de target, je sais plus trop quoi. Elle s'est retournée, quoi. Truc de fou, j'ai halluciné. Non, c'était peut-être pas une sorcière. Si, c'était une sorcière. Et en gros, la sorcière est en train de targeter mon molosse de lave ou un truc dans le genre. Et puis là, il y a un de ces petits squelettes qui vient attaquer mes gobelins à lance. Enfin, mes gobelins, je suis à gobelins là. Et le truc, c'est que du coup, elle s'est retournée, elle m'a défoncé mes gobelins. Ah, mais un truc de malade, j'ai halluciné, j'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, un truc de fou quoi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Bon, cette fois-ci, on met de la horde, les gars. Parce qu'il y a que ça à faire de toute façon. On met de la horde tranquillou, voilà. Bon. J'ai envie de te dire que là, c'est pas énorme. On va mettre du... Putain, mais ce dragon, alors je te jure. Allez. Ouais, j'ai envie de te dire qu'on est dans la merde. Quoique, attendez, c'est pas fini. Et non! Vas-y, quoi! Putain, Jack, ce deck, il est compliqué à utiliser. Il faut vraiment être un champion des champions pour l'utiliser. Mais alors, si en plus, tu me fais de la merde comme ça, comment tu veux que je fasse, moi? Allez, c'est parti, Valky Cochon. Tu vas faire quoi quand tu vas Valky Cochon? Dis que tu vas faire rien. Ouais? Tu fais rien du tout? Ah, si. Quoique, ça passe, c'est bon. Ça passe.
Ouais, bon, on n'a pas non plus la tour du milieu, mais ça passe. Il y a moyen de faire quelque chose. On se rattrape petit à petit, les gars. Petit à petit, on est dans la minute spéciale. On va faire le ouf. On va faire le ouf. Ok, je comprends. Je comprends son point de vue. On va mettre de la horde de gargouille. Ok, normalement, ça devrait passer. On va mettre... ok, nickel. Nickel. On va pouvoir mettre des archers. On va pouvoir mettre... on va pouvoir mettre, je sais pas, moi... Ouais, on va pouvoir mettre ça. On va pouvoir mettre ça. On va pouvoir mettre ça. On va pouvoir mettre le sort de zap juste là. Et pouf! Ok, nickel. Oh, regardez! Désolé, je suis rendu, j'ai dû... J'ai dû aller un peu trop dans l'aigu, là. Mais je suis content. Je suis content, forcément, j'en profite. Hein. Ah, quand on est content, on profite. Non, franchement, là, je t'assure que là... Bon, je vais peut-être pas envoyer du cochon non plus, quoi. Je suis pas non plus à ce point-là désespéré. Mais, oh là là, je le tue ou pas? Oh oui! Allez, 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 que dalle! Que dalle! Allez, oui, la petite gargouille! Petite gargouille! Oui, la petite gargouille! Ouh! Ah! Putain, super combat! Bonne chance pour la suite, mon gars. Pouh. Oh là 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 là, c'était chaud patate. C'est un truc de fou. Ce deck, ça change les idées, ce deck, mais il est impossible à utiliser. C'est un truc de malade. Mais bon, c'est pas très grave. Le deuxième que je vais utiliser, bah c'est pareil, il est impossible à utiliser aussi. Enfin, le troisième, si tu comptes le premier que j'ai utilisé là. Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, ces decks-là sont super durs à utiliser. Donc du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour une troisième attaque, et vous allez voir que le deck va être compliqué. Mais bon, bah, il est puissant, mais il faut le gérer, quoi. C'est ça qui est chaud. Et puis voilà, donc moi, je vais tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti, les gars, on est contre Alfred Pon. On s'en bat les decks de sa vie. Voilà, donc hop, bonne chance, pouf. Voilà, donc du coup, on va mettre du chevaucheur de cochon. On va essayer de mettre du mini PK. Allez, on est chaud patate, on met du mini PK. On va mettre du sort de gel. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, je sais ce que ça fait quand on met du sort de gel. Oh bah de toute façon ça passe. De toute façon ça passe. Ok, donc du coup on va mettre Oh, ça la tue ou pas? Même pas besoin de mettre de Valkyrie. C'est nickel, regardez les dégâts qu'on a fait en haut. La Valkyrie on va pouvoir l'utiliser pour les gobelins. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là j'ai dû faire au moins 5 ou 6 attaques, mais j'ai perdu à chaque fois. En espérant qu'on gagne maintenant, j'ai envie de vous dire que même si on perd, voilà quoi, hein, j'en ai marre. Il y a un moment faut arrêter les conneries. Même si on perd c'est pas très grave. On va envoyer du chevaucheur de cochon, tiens on est des fous. Non on va pas envoyer du chevaucheur de cochon, on va envoyer des petits gobelins. On va envoyer un petit sort de zap. Sort de zap qui doit faire plaisir. Ça va, sort de zap qui fait plaisir. Nickel ou pas? Ok, on se prend une petite horde de gargouille et on y va là-haut. Ouais ou pas? Non, bah non. Ouais, c'est pas grave, on va faire du Valky cochon à droite. À mon avis, il y a moyen de faire quelque chose avec du Valky cochon. J'aimerais bien être dans un minute spécial, malheureusement, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a moyen que tu te dépêches, s'il te plaît. Ok, donc tu vois, tout va bien. On va envoyer du Valkyrie cochon. On va envoyer des petits... Je sais plus s'il a de la Valkyrie ou pas. Non, il a pas de Valkyrie. Ok. Enfin, si, peut-être, mais il a pas de... Il a pas mis, quoi. Ouais, on n'a pas fait extrême dégâts non plus, hein. C'était pas encore ça. Ce qu'on va faire, on va mettre ça. Et on va mettre le sort de zap. Ouais, c'est bon, tu targetes le... Ok, nickel. Allez, allez, allez. Oh, c'est quoi cette électrocution qui a mis 2 ans, là? Pourquoi il met 2 ans à chaque fois comme ça? Putain, c'est hallucinant ça, hein. Bon, il me prend une tour, ça est mauvais signe pour nous, les gars. C'est mauvais signe pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre petite horde de gargouilles, on va mettre ça. On va mettre notre petit PK sur la tour de gauche. Sur la tour de gauche. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur la tour de gauche si on met le mini PK? Ça donne quelque chose ou pas? Ça donne qu'il met aussi un mini PK, l'enfoiré. C'est pas très grave. On va essayer de mettre de la Valkyrie. Bon, on va essayer de mettre de la Valkyrie. Oh là là, mais regardez-moi ce qu'il me fait là. Oh, mais regardez-moi ce qu'il me fait. Arrête, c'est bon, on joue pas à ça, gros. Putain. Vas-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Boum. Ouah, non, il a touché 2 fois, l'enfoiré. Bon, c'est pas très grave, les gars, on peut y arriver, on peut le faire. C'est quoi ce vieux truc là? C'est quoi ce vieux truc tout pourri? Oh là 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 là, je vous jure.
Ah, il y a des fois, je fais n'importe quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça. Voilà, hop, on va envoyer ça. Ouais, ok, c'est bon, ça va. On va dire qu'elle a bien joué la... elle a bien joué la mousquetaire adverse. Voilà, on va envoyer du cochon. C'est le problème, c'est que le cochon, je peux pas, là. Oh là là, le problème, c'est qu'il a aussi ses putains de... Oh, non, malheureusement. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'on fera une égalité, ça sera déjà pas mal, ça sera déjà pas mal. Ok, on va envoyer de la horde de gargouille. Ouais, ça passe ou pas? Ouais, on va dire que ça passe. Franchement, ce deck est extrêmement compliqué à utiliser, c'est un truc de ouf. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'aller à gauche. Ça m'étonnerait que ça fonctionne. On va quand même essayer en mettant une sorte de gel. Ouais, il envoie le mini PK ou pas? Oh! Bon, il a essayé de faire parce que ça allait... merci, et puis bonne chance pour la suite, Mantei. Ce deck, c'est vraiment à chier, quoi. Regardez, hop, 1507 de trophées. 1507 de trophées! S'il vous plaît, quoi. Ah! Bon, de toute façon, moi, là, on est mercredi, demain, je suis plus là, je me casse, donc je m'en fous complet. voilà, donc du coup, à ce niveau-là, on a... du mousquetaire, on a Horde de Gargouille. Ouais, ouais, qu'est-ce que je dis moi? J'ai l'impression de présenter un deck. Non mais la Horde de Gargouille, je peux bientôt l'améliorer, ça sera pas mal. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc du coup, ce que je vais faire, parce que j'en peux plus, je vais vous laisser sur ce. Je vous dirai une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao. Je vais me reposer parce que oh, là, il m'a vénère ce truc. Et puis voilà, donc moi je vous dis à la prochaine vidéo, ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.